Salut les amis, c'est Dean Oliveira, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour FIFA 19 épisode 15 et on va essayer de trouver, alors il y avait Tuo Minen, c'est vrai, que j'avais vu, mais bon il est fragile et tout ça, donc on va éviter de le prendre. On va éviter de le prendre les gars. Hop, chercher joueur. Oui, j'ai regardé un petit peu hein, sur internet et tout ça pour avoir un joueur qui va remplacer Sloan Priva parce que je vous rappelle que on l'a vendu et j'en ai trouvé un qui a l'air d'être assez, enfin il est pas très cher et il a l'air dans le même registre que notre petit. Ah ouais, 1m96, ça rigole pas. Clause de libération 2 850 000. Quand même. Hop, on va lui demander de le surveiller. Donc, pour remplacer Sloan Priva, j'ai trouvé ce petit Nathael Julan. Julan, pardon, ah, j'ai mal prononcé son nom, mais ça, c'est à cause de la maladie, évidemment. Hein, je parle avec le pif depuis tout à l'heure. Donc, qui se trouve à Léa Guingamp. La clause de libération, elle est là. Je pourrais regarder. Enfin, je pourrais tout de suite signer avec lui. Mais bon, je vais déjà prendre mon temps de le regarder, de voir combien il a. Enfin, combien il vaut déjà. Et puis, combien il a au niveau salaire. Pour ne pas faire de conneries. Bon, on va jouer le match contre le Paris FC. C'est parti. On va y aller tel quel, je crois. Quoique, non, on va mettre Belcourt à la place de Claude Maurice. Hop. Et Claude Maurice, on va le laisser. On va mettre Mosen à la place. On va le laisser au repos. Et j'espère que Mosen va me faire un petit truc quand même. Parce que je l'ai pas acheté, entre guillemets. Je l'ai pas pris pour rien. Hop là. Eh, trop simple, hein. Eh, trop simple, hein. Eh, trop simple, hein. Ou pas. Eh, trop simple. Eh, trop simple, hein. Bon, allez. Le meilleur buteur des championnats qui s'échauffe sous les yeux d'un public qui attend sans doute ouais. Du spectacle aujourd'hui. Wang Bowen quoi. Wang Bowen que je continue d'augmenter avec les entraînements les gars. Pour pas qu'il perde trop. Bonjour hein. À tous, ravi de vous retrouver évidemment. Pour ce match en compagnie de Pierre Ménès. Si salut, je peux garder le Wang Bowen à 70 de général, ce serait bien. Avec la pluie. Attention au ballon, ça va fuser. Pour ce match, vous allez retrouver. Après, forcément, il va perdre un petit peu de physique à chaque fois, vu qu'il devient vieux, mais bon. Ça va être très serré, ça, en fait, hein. Je pense qu'on devrait vraiment avoir droit à un beau duel entre des. Ça, on n'y peut rien. Équipe locale qui est celle qui réussit le mieux sur sa pelouse. Les joueurs affichent un bilan de 6 victoires sur 8 matchs. Moins qu'on puisse dire, c'est que les équipes adverses sont prévenues. Hein. C'est pas facile de venir ici. Ouais. On va boire un petit coup. Voici la composition de l'équipe à domicile. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes. J'espère que vous aurez apprécié ce petit instant ASMR. Bref, passons. L'équipe qui s'était imposée à l'extérieur lors de sa dernière sortie. Succès acquis sur le score de 3-0. Les joueurs sont en confiance. Ils peuvent renouveler leur performance. On peut renouveler la performance, très bien. C'est parti. Ça veut dire vous allez gagner. Ou pas. Hein, parce que je rappelle qu'on a Mosen dans l'équipe, donc c'est pas forcément le mieux. Ah, c'est une touche. Je commence à comprendre pourquoi il était en agent libre.
Un non pas qu'il y a que des merdes en agent libre, hein, je ne dis pas ça. Mais bon. Intervention, changement de possession. Lui, apparemment, personne n'en voulait. Moi, je l'ai pris parce qu'il me manquait un buteur, mais... Ah, le ballon qui file en touche avec la passe mal assurée. Au final, j'aurais peut-être pu ou dû garder un de mes joueurs qui vient de Valenciennes de base. Quoi. Ça passe pas! Oh, ça y est, le danger qui s'éloigne. Oh, la défense a eu chaud. Oh, cette fois, le danger est écarté. C'était une vraie occasion de but. En place, et l'arbitre qui arrête le match. Hein. On va pas laisser un joueur blessé comme ça quand même. Allez, le public croit cette domination va bien finir par payer. Il s'est blessé tout seul là. Enfin, je veux dire, c'est pas moi. C'est pas moi qui l'a blessé. Ah si. Bon, écoute, je m'en fous. Tu sais, ça m'arrive aussi d'avoir des joueurs blessés. Joueur hein, mais... Ah, il y aura balle à terre pour reprendre le jeu. Ok. Wang Bowen, il faut. Swan Privat. Ouais, on passe par les côtés. C'est dans le paquet. Ah, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Voilà, j'ai mal fait ma cadeau. Passe. Non mais hé. Hey. Oui, merci. Mais l'arbitre qui a sifflé, coup franc, rien à dire. Parce que là le gars, il m'a bourré la tronche. Hein. Boum ! Oh ! Le dragon sacré ! Le dragon sacré ! C'est chouette de partager des joies comme ça. 1-0 ! Ah, c'est le cauchemar pour un joueur dévier le ballon comme ça dans son but. Ça se joue souvent sur une fraction de seconde. Le temps de comprendre. Ah oui, c'est lui qui a dévié, oui, d'accord. On sent une certaine fluidité dans cette formation. Ouais, absolument, l'équipe joue bien, les résultats sont là, elle a toutes les cartes en main pour faire une super saison. Très bien. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. 1-0 pour l'instant. On va essayer d'avoir plus, de mettre plus de buts, bien non, évidemment. On n'a aucune intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Slan Priva. Ouais. Ah, pas ce que je voulais faire, ajusté, c'est pas grave. Il récupère un ballon facile. Oh moi mon précieux. Wang Bowen. Il faut. Ils sont pas un peu tous en attaque là les. Ils font tourner. Pas en défense les autres là. Aïe. Hus. Oh, il y a des solutions, il y a danger. Est-ce ce ballon qui ouais, traîne. Et j'ai fait la plus mauvaise solution. Bien joué. Oh, moi, mon précieux. Ah, impeccable ce tacle. Le ballon mon précieux. Alors, comme vous pouvez le constater, il pleut. Attention au prix. Bah, merci. Pour les gardiens, il faudra peut-être jouer la sécurité, notamment... Tiens. Il faut... Hop. Allez, ça passe ça. Eh merde. Défensive pleine de classe, hein. Dans la surface, il faut oser. Merci. Il avait bien senti le coup. Ça, c'est fait. Belcourt. Belcourt qui foire tout. Allez, il se pose pas de questions. Long n'est-ce pas dégagement. Allez. Ce ballon qui est intercepté. Boule. Sa chance. Le dragon, le dragon sacré, le doublé les gars. Et ouais, c'est le dragon. Le dragon est de retour parmi les vivants et il va cracher son feu destructeur sur le Paris FC. Merci. 14e but en Ligue 2. C'est
Ça fait 2-0, il domine les débats. Hein. Allez. Ah, il lui a pris la balle. Mais rends-moi mon précieux. Ouais, peut-être une situation intéressante. Gollum est dans la place, hein. Mon précieux. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Nous l'avons. Non, non, il ne faut pas le perdre. La passe qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Nous avons le précieux. Nous avons. Nous l'avons perdu. Perdu. Bon, c'est pas très grave. On s'adapte. Bon. 2-0. Déjà 2-0 au score. 2-0, c'est un doublé de Wang Bowen, c'est bien. Bonne première période pour ces joueurs qui mènent à la pause sur la pelouse. Ouais, bonne première période pour cette équipe qui parvient une fois de plus à dicter le tempo sur sa pelouse. Bien. On va rester avec ce groupe-là. Certainement, je vais faire des changements du style Wang Bowen. À mon avis, je vais changer Wang Bowen. Puis peut-être changer le duo d'attaque. Ou alors le duo de milieu défensif. Parce que j'ai un match. Allez, ça doit aller au fond, ça. 3 jours après. Ouais, ça passe. 3 jours après celui-là. Il me semble que c'est 3 jours après celui-là. Hein. Mais normalement, j'ai un match direct après. Donc, histoire qu'il ne soit pas trop crevé. Le ballon qui change de camp. Ne serait-ce que Wang Bowen et puis je le dis, soit les milieux défensifs, soit les attaquants. Mais les attaquants, et ça devrait aller. Il y a du monde. Il ne trouve personne sur ce centre. Parce que les attaquants, j'ai Raspentino et puis Ambry à côté, donc. Allez. Je l'ai paumé, chef. Donne-moi cette balle. Ouais, ils vont jouer la touche. J'ai fait de la merde. Bon. Ça me donne l'occasion de faire des changements. Voyons voir. Ils sont plutôt en forme. Hein. Au niveau attaque. Ou alors. Je fais 2 remplacements stratégiques. Ici, ici. Et là. Donc du coup, ça voudrait dire que je mets directement Thiago Xavier à la place de Nestor. Comme ça, Nestor, je l'aurai pour le prochain match. Qui sera à la place de... Enfin, qui sera aux côtés, non pas de Mason, mais de Masuema. Comme ça, on fait jouer un petit peu tout le monde. Le long de la ligne de touche... Belcourt, il va rester sur le terrain, comme ça il va bien être crevé. Ouais, la frappe. Oh, le gardien qui est sur ce ballon, sans problème. On va passer loin, les gars. Sloan Priva. Oh, que c'est bien donné, ça. Allez, ça, c'est fait. Magnifique. Merci, au revoir. Ils ont réussi à faire le décalage. Le centre en fuite était parfait. La conclusion aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Magnifique, magnifique cette reprise de volée. C'est le geste pur par excellence, celui qui demande une grande maîtrise technique avec de la confiance aussi. En moi, il faut en taper quelques-unes à l'entraînement pour en mettre une au fond. Hein. Sympa. Premier but en Domino League 2. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Frédéric Bang. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Ouais, par contre, pas moi. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Ouais, mais pas moi. Par contre, ça, c'est abusé, ce que je viens de faire. Perso, j'aurais sifflé, moi. Ouais, moi aussi. Poloma, Kufo, ils vont rester, de toute façon.
On va faire les deux derniers remplacements, Roudé et Raspentino à la place de Priva. Ouais, c'est dévié le ballon. Voilà. Je me prends un jaune. Normal. Ouais, c'est le jaune. Un joueur qui va sortir. Après avoir tout donné sur la pelouse, il a été excellent dans ce match. Et son équipe est pour l'instant en tête au tableau d'affichage. Hop là. On récupère la balle. Belle cour. Bonne anticipation sur cette interception. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Allez. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Très bien. Ah ouais, c'est bien fait ça. Bon, c'est un allez, Roudé qui s'ouvre devant lui. Ouais, bonne intervention. Dommage. Dans le couloir, ballon récupéré. Frédéric Bang. En tout cas, je note que Marouane, machin truc bidule à Mosen, il m'a toujours pas mis de but. C'est abusé. Ouais, coup franc, très logiquement accordé par l'arbitre. Ouais, forcément, il allait pas jouer vite. Allez, le coup franc dans la boîte. Oh, ah, punaise qui passe trop haut. Oui, il ne peut reprendre le ballon que du haut de la tête et ne peut pas redresser la trajectoire. Pas passé loin, hein. Je fais n'importe quoi. Un petit coup de chronomètre. Je fais n'importe quoi. 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ah oh, l'interception, il a tout anticipé. Très bien. Hop. Qui arrive Paloma. Florian Raspentino. Allez, Mosen. Oh oui, attention. Ah, ça veut pas, hein. Au-dessus de la barre. Il est mauvais, mais il est mauvais. C'est mon seul. Faut savoir quand même que c'est le seul buteur de mon équipe qui n'a pas encore marqué un seul but. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Je suis sûr, même mes. Enfin, quoique, non, je suis pas sûr, mais même mes. Certains de mes défenseurs ont marqué un but, quoi. Ouais, allez, Mason. La voilà, la bon, frappe. J'ai raté mon tir là. J'ai complètement raté mon tir. A dit qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel. Allez. Bien joué. Faut. Pas bien joué. Bien joué. Bien joué. Ouais, il est bien placé pour centrer. Pas bien joué. Le centre qui ne donnera pas grand chose. C'est finalement un ballon perdu. Ah, dommage. Bon. Voilà, c'est terminé. 3-0. Qui vient de siffler la 3-0. Le coup de sifflet final, c'était un peu de libération. Narmol. Hein, pour des joueurs qui sont passés, mais alors complètement à travers. Hein. 3-0, les gars. C'est. Mais c'est vrai que maintenant. Une bonne performance. Terminé, bah, ils vont pouvoir une très bonne performance, même. Avec deux buts de Wang Bowen, le dragon sacré. Geoffrey Kufo qui a la meilleure note. Certainement, il a fait des passes décisives. 2. Ah, par contre, Marwan Mosen a fait une passe décisive. Ce qui est pas rien. Bien. Eh bien, continuons. Thiago Xavier. Roudé, par contre, il a pas fait grand chose, mais bon. C'est normal. Il est remplaçant, donc. En général, les remplaçants, ils font pas. Enfin. C'est pas ouf ce qu'ils font. Alors, rapport mensuel sur les jeunes. Ouais. Mancini, ça sert à rien. Ça sert à rien de le garder. Par contre, Thomas Chevalier, il va être très bon, à mon avis. Lui, ça sert pas à grand chose de le garder non plus. Récompense reçue. Manager du mois. Très bien. Alors, un défenseur. Est-ce que c'est un défenseur, lui? Putain, par contre. Voilà les trucs. Je crois pas que c'est un défenseur, si. Je pense pas, hein.
Il n'y a rien de ouf. On va prendre lui. Au niveau défense. Là, on va rejeter, on va rejeter, on va rejeter. Mais il me semble que c'est milieu défensif que j'ai, hein. Il me semble que c'est un milieu défensif et pas un défenseur tel quel. Et lui, ça a l'air d'être un attaquant. Ça a l'air d'être un attaquant, mais il est petit, donc ça sert pas à grand-chose. Voyons voir la con... non, c'est pas la composition d'équipe. C'est le staff des jeunes. Ouais, comme je disais, c'est un milieu défensif central plutôt. C'est pas un... C'est pas le défenseur. Bon. Dans tous les cas, c'est pas très grave. Charger la session précédente. Je pense que c'est bien là. Apparemment, Wang Bowen pourrait avoir 3 up d'un coup. Chose qu'il n'aura pas, malheureusement. Mais il augmente les tags glissés, c'est plutôt sympa. Manager du mois. Pam, pam, pam. Allez, on joue le match contre Chamois FC. On va faire un petit peu jouer l'équipe B, je pense. On va faire jouer Vincent Chini. Ici, Pinto, Niakate, Bozikov et N-Team. Histoire que là, on a décidé de faire jouer Masuema, qui a level up apparemment. Enfin, c'est vrai que j'ai pas regardé les level up. Je m'excuse. Je regarderai après. Je regarderai après. C'est ma faute. Priva, est-ce qu'il va rester? Non, il va laisser sa place à Raspentino. Donc, hop. On va faire rentrer Nakayama à la place de Mason. Ribeiro, apparemment, il a augmenté aussi. Ok. Donc voilà l'équipe, Vincent Cini, N-Team, Bozikov, Niakate, Pinto, Nestor, Masuema, Wang Bowen, Claude Maurice, Ambry et Raspentino. C'est parti. On va essayer d'être... de continuer sur, no sur notre lancée. Deux matchs où on a une victoire 3-0. C'est plutôt une bonne... un bon rythme, je trouve. Moi j'aime bien les matchs où je gagne largement. Enfin, largement. Non, pas non plus 4000-0, hein. C'est quoi ça, au fait, comme... C'est quoi comme truc? Hop là, ça c'est fait. Ok. Et ça... C'est quoi le but en fait? Enfin, je veux bien moi, mais... Bien joué, ok. Et... C'est défense or. Ah. Ok. Ok. Bon bah... Au moins, je le Avant que saurais. ne débute ce match très attendu, la caméra qui s'attarde sur celui qui pour l'instant occupe la tête du classement des buteurs et qui va tout faire pour marquer encore une fois aujourd'hui. Salut à toutes et à tous, ravi C'est de vous parti. retrouver pour ce match. Pierre. Salut Hervé, plaisir partagé. Et dans ce match, on va retrouver les Chamois Niortais face à Valenciennes. Un petit pronostic peut-être, Pierre? Ah, je l'attendais celle-là. Bah, pour moi, ça ne joue à pas grand-chose. Hein. Les deux formations sont du même niveau. Ça peut jouer sur un coup de pied arrêté cette affaire. Hein. Comme ça, tu vois, je me mouille pas trop. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. Tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Et on mise visiblement sur un gros maillage du milieu de terrain pour canaliser les offensives de l'adversaire.
L'équipe en pleine confiance qui reste sur un succès à domicile. Une victoire intéressante acquise sur un beau score de 3-0. Mais là, l'adversaire est quand même d'un autre calibre. Bien. C'est parti. C'est le coup d'envoi. J'espère qu'on va avoir un bon match. Oui, moi aussi. Et le public aussi. Récupère déjà Nestor. Ah oui, Nestor en brille. En brille. En brille. Allez. Mais c'est simple. C'est simple ça. Eh oui les gars. C'est simple. Steve en brille. Eh ouais. À mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Après, ça pourrait être Steve Embry qui remplace Solan Priva, hein, c'est vrai, j'y ai pas pensé. C'est vrai que pour moi, Steve Embry, c'est plutôt remplaçant, mais au moins, on aurait quelqu'un de rapide sur le terrain, en complément de Claude Maurice, qui malheureusement pourra pas jouer tous les matchs, parce que bah, il a une très faible endurance. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Mais au moins... c'est bien de savoir qu'on a... des joueurs comme ça. Dylan Visser. Hop là. On va admirer la technique. Ouais, alors, la classe, et puis alors sans problème. Hein. Tout dans le velours. Ah ouais. Ça, c'est The Style. Non, je l'avais récupéré. Oh, moi, mon précieux. Le gars qui pète un câble. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Alors, j'ai fait la faute vers 10 minutes. On va voir quand est-ce qu'il va me donner le carton. Juste pour voir. Passe en profondeur, attention. Boum! Allez! Le dragon sacré, les gars! Po-po-po! Bon, il va me donner le carton à la 15ème minute, c'est sûr. Vu comment j'ai savaté le mec. Ouais, il m'a donné le carton. Avec un joueur qui part sur le but. Il a bien résisté au retour de la défense et il a laissé aucune chance au gardien. Une belle action individuelle. Steve Embry, Wang Bowen. Fait 2-0, il domine les débats. Hein. Dylan Visser. Allez, donne-moi mon précieux, s'il ouais, te plaît. Il s'est construit devant le but, sans se précipiter. Merci. Ou pas. Ouais, il a anticipé la trajectoire et a bien intercepté. Le but de l'espoir peut-être. Eh ouais. Eh oui, c'est ça de mal défendre. Complètement l'équipe, Pierre. Ah ouais, carrément, on va assister à un tout autre match maintenant. Il a vraiment mis tout ce qu'il avait dans cette frappe. Hein. Ça passe très bien la droite du gardien. Très et de bien donc maintenant. Tu veux te la jouer comme ça? On va se la jouer comme ça. Allez, Pinto! Du but. Il lève la tête, il va centrer. Non, je centre pas. Voilà, je tire. Tentative. Oh, le gardien qui s'en sort. Oh, c'était pas évident. Ok. C'était bien sur ses appuis. Corner. On peut le féliciter. Et ce sera un corner. Un corner bien tiré. Trop. Au niveau du point de penalty. Ah, il est un petit peu court hein, sur ce ballon. Parce qu'il peut pas la rabattre, c'est toujours pareil. Le corner trop, était bien trop. Dosé bon. Pourtant, mais ensuite c'est complètement raté. Ouais. Je récupère la balle. Massouema, il est bon dans ce match. Lorient Aspantino. Ah oui, allez, Embry. Il va y aller en profondeur. Putain, oui, bien j'ai trop voulu que Wang Boen marque un doublé. C'est mon erreur. C'est mon erreur. J'assume mon erreur, les gars. De toute façon, pour l'instant, on est toujours devant. Allez. Bien joué, le gardien, il dégage. Claude Maurice. Oula, il a laissé sur place. Boum ! Mais non, c'est à côté, cette frappe. C'était pas loin, hein. Je suis désolé, mais c'était vraiment pas loin. Ah ouais, là, ça a bien frôlé, hein. Ah, ça a frôlé, mais...
au poil de cul, hein. Je crois que je vais commencer à m'éclater à faire des petits dribbles avec. Putain, je voulais tirer. Je crois que je vais m'éclater à faire des petits dribbles avec Claude Maurice maintenant. Je commence vraiment à l'apprécier en fait. Allez, ça passe. Allez, trop facile. 3 les gars, but de Claude Maurice sur un but exceptionnel avec un petit dribble de derrière les fagots. Alors, faut savoir que moi, je suis une bille totale dans les dribbles. Hein. Je ne sais absolument pas, je fais du n'importe quoi hein, en vrai. Je fais du n'importe quoi parce que je ne connais absolument pas les gestes techniques. Le seul que je connais, c'est le tour du monde. Et encore, j'arrive rarement à... Enfin, je crois qu'il s'appelle tour du monde. J'arrive rarement à le placer. Donc, bon. Moi, je suis content. Quatrième but de Claude Maurice en Ligue 2. Et ça fait 3-1. La passe est interceptée. Hop. J'aurais peut-être dû la rendre autrement, mais... Ouh, il est en train de réduire. Attention le tir. Oh, le but. Magnifique. En fait, vous êtes en train de me dire que à chaque fois que je vais mettre un but, ils vont mettre un but, c'est ça? Bon. Pour l'instant, on est toujours devant, c'est magnifique, pas grave. Ce but sans contrôle, il trompe le gardien à droite des buts. Un petit but qui est mais, par des mais Vincent Cini, à chaque fois que je le mets, il se prend de ses buts à la con. Mais c'est abusé quoi. Même Hilel Konaté, qui est censé être moins fort que lui dans le jeu, je suis sûr, tu le mets, il se prend pas de but lui. C'est sorti et haut. C'est la mi-temps, sifflé à l'instant par l'arbitre. 3-2, joli score. Bon, Pierre, je sais pas ce que t'en penses, mais il a été plutôt bon quand même au cours de ces 45 premières minutes. Hein. Sur le plan personnel, ça a plutôt pas mal. D'ailleurs, il a marqué, mais pour l'instant, ça ne suffit pas à tenir le score. Il va falloir faire mieux et ses partenaires aussi. Ouais. Et tu pouvais dire un truc sur nous, hein. Ça aurait été sympa. Foiré. Hein? On continue. Seconde période à l'instant même. Seconde période. Wang Bowen qui se foire dans son dribble comme un caca. Voilà, hop là, merci bien. Ce qu'on appelle un ballon offert. Il a joué la sûreté hein, sur ce dégagement. Oui. Surtout que au moins t'as tout le monde qui est replacé quoi. Un ballon qui est récupéré par la défense. Voilà. Pas trop qu'en faire. Merde, c'est pas lui que je voulais le faire. Ouais, elle a du potentiel. Ils vont bourrer, forcément. Allez, c'est sûr qu'ils vont bourrer. On se calme, on pose le jeu. On se précipite pas. On se précipite pas. En essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. On se précipite pas, on calme, on se calme, on pose le jeu, tranquille. Oui, et on tire. La parade du gardien. Ouais, dégagez ce ballon. Ça a failli passer, les gars. Ça a failli passer. Merde. Si ça vaut un carton, c'est quand même abusé. Ouais, c'est abusé. C'est abusé. C'est abusé parce que... On va remplacer Claude Maurice par Roudet. La faute au ralenti. C'est abusé quand même parce que je suis désolé. Ça méritait pas non plus un carton là. Vous voyez bien que je voulais jouer à la balle. Hein. Sinon, j'aurais taclé par derrière le gars. Oh, il a du soutien, ça peut être dangereux. Allez, qui va reprendre ce ballon. Pourquoi Nestor, tu l'as pas pris? Juste une question. Hein. Question que je qualifierais de normale. Oh, c'est bien donné, ça. Allez, Ambry. Boum!
Boum! Allez! Le doublé! Steve Embry, 4-2! Putain, mais ce match. Bon, ça va bientôt faire 4-3, les gars! Ça va bientôt faire 4-3 parce que, évidemment, je vais me prendre un but dans la foulée. 4-2, avance. Stop, 2 secondes. Je fais des changements. Nakayama, Thiago Xavier, bonne chance. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, toujours aussi. Il les a pas comptés. Bon, bah, prochain arrêt de jeu alors. Remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant, il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Tu vas voir, je vais me prendre un but. Très mal donné, hein, ce ballon. Wang Bowen qui est absolument partout. Non, ça n'ira pas plus loin. Ouais, on passe par les côtés. Bon. Encore une fois, comme l'autre, hein. C'est comme l'autre. Je vais me prendre un carton, mais c'est comme l'autre. J'ai voulu jouer la balle sur le côté pour la mettre en touche. Mais c'est abusé, hein. Je rappelle qu'il a pris un carton jaune tout à l'heure. On ne prend pas de risque du côté de l'entraîneur. Dégage, toi. Il va chercher un partenaire loin devant. Ah, il est un petit peu court hein, sur ce ballon. Il ne peut pas la rabattre, c'est toujours pareil. Écoutez cette ambiance. Bravo. Tous les supporters qui chantent. Ah, c'est beau, hein, ils savent que la victoire est à leur portée maintenant. Ouais, ouais, sauf que. Une fois de plus. Pour éviter de se jeter cette fois. Il s'est arrêté net. Aïe, 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 aïe. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Ouais, oh, j'étais pas en jeu, je suis sûr. J'ai pas regardé, mais. Sans pas que j'étais en jeu. Hein. Ouais, c'est abusé. Eh, hey, on est tous les deux sur la même ligne. Faut arrêter. Faut arrêter de me mettre une ligne imaginaire là. On avait tous les deux le pied sur la même ligne quoi. Ah c'est simple hein, de dire qu'on est hors jeu sur dans un angle de caméra qui est complètement fermé. Tu te dis forcément qu'il est hors jeu, mais en fait il l'est pas. Ah c'est bien fait de la part du défenseur, vraiment très bien joué. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Merde! Fais chier! Le ballon dans les pieds des leaders. C'est clairement l'équipe à battre. Hein, celle que tout le monde rêve de faire chuter. Ça fait une très très bonne saison pour l'instant. Allez, Roudé! Tout seul! Tout seul, Roudé! Ah oui, c'est le jeu. Ah oui, dommage, bien, dommage! Allez, il va falloir s'appliquer sur ce corner. Premier poteau ou deuxième? Deuxième poteau, je crois, en ma bonne étoile. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Ouais, il donne de l'air à son équipe. Raté. Ce ballon qui se rend touche avec cette tête. Mais si ça se trouve, premier poteau, ça n'aurait pas fait grand-chose d'autre. Ah non, le ballon est pourquoi, perdu. Thiago Xavier, tu la récupères pas? Elle passe devant toi, bordel. Ces changements vont entraîner un repositionnement. L'autre, il tombe tout seul. Il l'a arrêté avec le bras, monsieur l'arbitre. Je dis ça, je dis rien. Minutes, hein, de temps additionnel. On s'approche de la zone de vérité. Ouais, bon, bien joué. A pris le ballon. 4-2, les gars. Dans l'ensemble. On s'est pris 2 buts, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Parfois, faut bien se prendre des buts, hein. En tout cas, il y a eu quand même une. Il y a eu quand même un sursaut d'orgueil de l'autre côté en mettant 2 buts, en réduisant le corps à un but d'écart, 2 fois. Donc, bon. C'est bien pour eux. Et puis pour le spectacle, hein, c'est bien aussi. Alors, sur ce, moi, je vous laisse. Laissez un like, les potes, hein, ça fait toujours plaisir. Partagez. Sur les réseaux sociaux, tout ça on connaît.
N'hésitez pas à vous abonner, les gars, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Dino Oliveira. Ciao.